voilà, c'est sorti, FF7 Remake, la démo qui est sortie ce matin les gars. Bonjour à tous, du coup c'est Titi. Donc je suis tout seul pour enregistrer cette petite vidéo du coup, parce que Toons, eh ben, il rend service à la France, hein, comme tout bon français de ce nom. Voilà, il m'a gentiment autorisé à tourner cette petite vidéo pour vous. Donc voilà. Donc Final Fantasy VII Remake, le premier jeu Final Fantasy VII est évidemment celui sur PS1, donc il n'y a pas de débat à avoir, c'est mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Alors je suis assez content de vous proposer ça pour découvrir cette petite démo du remake du coup. Allez, trêve de conneries, je vais fermer ma grande gueule et on va découvrir ça ensemble. Tac, je vais essayer comment contrôler votre caméra. Bah, normal. Normal aussi. Hop. Allez, c'est parti. Oh là là, je suis tellement excité, si vous saviez. Oh là là. Je vais déjà me régaler. Oh là 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 là! Les frissons, les amis, les frissons. Oh là 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 là. Et voilà le meilleur. Oh, cette musique. Oh là là, putain. De nouveau, viens ici. Ah, c'est en français. Oh là 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 là. Et on est parti. Allez, gameplay. Oh là 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 là. Depuis le temps que j'attends ce jeu, putain. On l'a même si c'est que la démo. Ah. Passager, qui êtes-vous? À toi de jouer. Appuyez sur carré vous permet d'attaquer les ennemis, nanana. Tour de soi, ok. Là, un intrus. Les mains en l'air. J'ai autre chose à faire. Je vais me régaler. Je le sais déjà d'avance. Oh là 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 là. Cette musique.
Que faites-vous là? Stop, passe un geste. Ah, par contre, je sens que j'ai pas le crâne de la VF. Allez, on compte sur toi. Se remplissent. Ok, ça marche. Plus un geste. Ne nous forcez pas à tirer. Compétence ou des sorts, dans le jeu, en combat. Non, ok, ça marche. Vous gênez pas. On va essayer ça, l'âme brave. Ce type est un soldat. Ok, ça marche. Parce que l'icône apparaît à l'écran, il suffit de déplacer le personnage dans la direction indiquée. Oui, ça tombe sous le sens. Hop, on va regarder un peu le menu ce qu'il donne. Oui. Lâchez votre arme. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Oh, cette VF, par contre, je vais pas être fan, je pense. Vous pouvez bloquer R1. Ok, ça roule. Rendez-vous gentiment. Faut pas que je me fasse encercler. Trop faible. Trop lent. Oh là là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là. Oh, c'est génial. Oh les amis, c'est génial. Je parle pas beaucoup, je suis désolé, mais là je découvre en même temps que vous du coup. Au cours du jeu. Ouais, ok. Tac. Deux potions, ça me roule. Ah, il y a un truc là. Deux grenades, ok. Oula, par contre le ragdoll des objets, c'est pas terrible. Ah. Qu'est-ce qu'on prend dans le logo de la compagnie Shinra, c'est du détruire avec carré. Ça roule. Pratique. PM restauré, ok. C'est pas bizarre qu'un soldat nous aide contre son propre camp? Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cas d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Rect. Il est mignon, c'est déjà ça. Sympa. C'est reparti. Les visages, ça tu sais, Cloud, on compte vraiment sur moi, toi. Je suis pas au même niveau, c'est ça? Disons que tu joues pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon, j'aurais pas dû demander. C'est comme comparer. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant ça que... Ça m'intéresse pas. Hein? C'est un peu le bolos du groupe, le gros là. Wedge. Intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. T'inquiète pas, poule. Oh là là. Ah, je suis désolé, je suis ébahi devant ce jeu. Oh là là, ce plan. Putain. Et cette musique. Oh là là. Ok.
Un pion sur R3, échange de cible. Allez, attaque! Ah ouais, c'est très intuitif en plus. Oh, je l'ai raté. Est-ce que je peux mettre une petite potion? Ouais. Tac. Franchement les gars, c'est merveilleux. Ce jeu, j'y joue à peine 5 minutes. Ouais, merci gros. C'est génial. Je peux vous le dire déjà, c'est... Pff, oh là là. Moi je suis pas objectif du tout, hein, vu que... Faut vraiment fouiller. Ouais. C'est par là. Sans déconner. On a de la compagnie. Je te les laisse. Merci, connard. Oula. Enfin, ça marche bien contre les chiens, ça. Tac. Ah, ça marche vachement bien, ça. C'est ouais, je crois qu'il ait lâché quelque chose. Ici. Ah. Oh là 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 là. Maintenant. Lui parler? Non, ok. Oh là là. C'est beau, hein. Oh, ce jeu, il va être génial. Il paraît que les soldats d'Ashinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'as encore leur foutu clébard, hein? Oula. Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, et ça devrait aller. Ok. Il est pas content le Barrette. T'as intérêt à me guider. Inquiète. Attends un peu. Bix va pas tarder à ouvrir les portes. Ok. Deux secondes, j'y suis presque. Voilà, okay. C'est fait. Bon. Qui va? Ferme vite. Oh la musique. La musique des combats.
mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous dire. Et go. Ok, mais ça je savais déjà. Il est seul contre nous. Il a aucune chance. Feu à volonté. Il est beaucoup plus puissant avec carré. Bloqué. En revanche, Claude se déplace plus lentement contre les attaques. Ouais, mais c'est pas grave ça. Oh là 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 là. Oh bah génial. Sur les... Oh t'inquiète. Hein. Ah d'accord. Attends gentiment ici. Oui monsieur. On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Cloud, reste avec Jesse. Ok. Un autre coffre ici. Une queue de phénix, nickel. Alors les queues de phénix, ça sert pour se faire ressusciter au cas où si vous mourrez. Tu me dis encore autre chose toi ? À partir d'ici, la sécurité est encore plus élevée. Alors fais gaffe. Oui monsieur. L'ascenseur a l'air d'être tout en bas. Appuie sur le bouton à droite. Ah, merci. C'est pas comme si j'avais vu l'icône. T'es un ami de Tifa, ce qui paraît. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? Bah, en quoi ça te regarde? Oh. Tifa et moi... On se retrouve dans les locaux de la Shinra là. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi tu l'entends, c'est ça? Ben ouais! Va te faire soigner. Vous? Hein? Tu te fous de moi? Cette VF, elle est vraiment pas terrible, je trouve. Après, c'est que mon avis, Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier, je suis pas sourd. Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Oui, donc je vais contrôler les barrettes. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Oui, ben oui, oui. Essaye de pas me décevoir. Ce Cloud, il est dissident. Équipier ajouté, barrette.
Ok, donc je vais le contrôler. Grâce au canon qui greffe à son bras, nanana, direct distance. Oui. Maintiens que ça continue. Okay. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi faire. Ah, caméra, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que j'appelle être efficace. Oui, c'est ce que je viens de faire du coup. Ah oui, c'est efficace, effectivement, oui. Ah, faut que j'attende que ça recharge un petit peu. Cette musique. Donc la caméra est pas terrible sur le coup. Tac. J'ai parfois préféré de changer de personnage avec les flèches. Enfin, face à plus de combat. Accéder à la liste des commandes des personnages si on ne contrôlait pas. Non. Ok, ça marche. Je vais reprendre Cloud. Hop. Essaie de justifier ton salaire. Tu me gênes. Bouge-toi. Ah. Tac. Il est où l'autre? Oula. Gueule pas. Bah, c'est ce que j'allais dire, gueule pas comme ça gros. On va se remettre une petite potion pour Cloud. Tac, voilà, ça va mieux. Est-ce qu'il n'y a pas des caisses là? Oui, c'est par là. Oula. La température de ces rayons est très élevée. Le moindre faux pas et c'est la brûlure assurée. Ouais, t'inquiète. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hé hey. Regarde-moi bien, je vais t'en mettre plein tes beaux yeux. Par contre, il est possible de faire courir les personnages pour se déplacer plus rapidement. R1 ou R2. Ok, ça a pas l'air bien compliqué de toute façon. Oh là là, cette musique. Ah, je sais, je suis complètement gaga de ce jeu, c'est depuis le temps que je l'attends, si vous saviez. Oula, pareil qui apparaît la caméra. Tac. Ouais, bah c'est pas bien compliqué en même temps. Oh bah tu parles. Très impressionnant, n'est-ce pas? Oh, je te jure, Jessie. On voit que tu es des soldats. Ah bah faut pas être con hein, quand même pour passer à travers ça. Tu t'en es sorti. Continue comme ça. Ouais, t'inquiète. C'est le même principe ici. Allez, en avant. C'est bon, ah, c'est ouais. Tu vas pas me féliciter à chaque fois que je passe un truc, non? Ah zut! Bon, c'est bon, je suis passé. Ouais, les doigts dans le nez, t'as vu? Un petit coffre. Et deux potions en plus, nickel. Tout près de notre regard. On surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous balayer. T'inquiète. Bah bien sûr. Allez, Cloud. C'est jamais qu'un gros tas de ferraille. Il est équipé d'armes puissantes et d'un épais verdage. Je te conseille de faire gaffe. Si tu veux mourir. Je vais te plus taper fort. La magie devrait bien l'endommager. Mais il faut l'utiliser au bon moment. Tac, exécuter les attaques particulières ou infliger sa main, indication fragilité. Ouais, c'est un peu comme dans FF13 quoi, en état de choc. Remplissage de ces jeux varie en fonction des compétences et sorts. Oui, ça tombe sous le sens. Oh, on l'a fait tomber. Eh oui, mon gars. Profiter de cette occasion. On le lâche pas.
vais essayer ça. Ah, ça marche bien ça aussi. Ça a pas duré longtemps. Ouh là là. Une autre opportunité. Allez, on recommence. Ah, point faible, donc c'est la foudre, logique, c'est un robot. Allez, continue, je peux plus le faire, ok. Stack shot qui est complètement à la merci de vos attaques, utilisez des compétences spéciales, ok, ça marche. Maintenant, on y va à fond. On me le dira pas deux fois, je vais m'en donner à cœur joie. C'est quand même très intuitif, hein, je veux le dire. Oh là 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 là, là, là terminé. Ça va, j'ai pas trop peiné. Oula, il me restait plus beaucoup de V-Cloud. Je suis première classe. En plus de leur rang, les soldats ont aussi un grade. Quand on dit que t'es jeune, c'est de ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, t'es un peu couillon, Cloud, là, sur le coup. J'oubliais, vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein. Ah, pas bien. D'accord, d'accord. Première classe. Et un endage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Ah, je suis vraiment pas fan de la VF de Barrett, ça déconner. Autant celle de Cloud, ça va. Mais celle de Barrett, c'est... j'ai l'impression qu'il a fait un peu des tonnes. Après, c'est qu'on avis. Hein. Allez, on continue. On rentre à l'intérieur du réacteur du coup, au cœur. On arrive au cœur du réacteur. C'est merci. Là-bas qu'il faut placer la bombe. On descend par ici. Détruire le réacteur, ouais. Ok. Hop. Bah il descend tout seul. Oula, caméra, merci. Il fait des bruits bizarres quand même. Pas n'importe quoi. J'ai des frissons d'être tout prêt de réaliser notre arrêt. Pourquoi il gueule tout le temps, c'est dingue ça, de gueuler à ce point-là. Ouais, t'inquiète pas. Bah oui mais c'est jamais s'il y avait un coffre là-bas. Bon c'est bon, y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester avec moi? C'est gentil à toi, mais t'as un rencard avec la turbine. C'était nul. Ah je peux descendre plus vite avec le bouton. Ah les ennemis. Rapidité, ouais ça pue tout ça. Ok, un vigie laser, faut que je change de perso, voilà. Ah. Tac, voilà. On a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même, non ? Mais pourquoi tu gueules ? Sans déconner. Normal, un gamin comme toi. C'est clair.
Il n'y a pas à dire, hein, le système de combat il est juste parfait, les gars. Alors là ça a peut-être moins rigolé. J'ai oublié que je pouvais descendre plus vite. Envoyé par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa, à bout de connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. C'est rien. Je mets combien de temps? C'est toi qui décides. Ah, je peux choisir 20 minutes ou 30 minutes. Je vais mettre 30 minutes histoire de d'être sûr. Ah, t'as la trouille ou quoi? Mais ta gueule. Oh, le scorpion. T'as osé nous piéger. Là, oh. Hein, c'est quoi le truc? Oh, la musique. Hé, hey, comment on combat ce machin? Il a un blindage renforcé, mais il est vulnérable à la foudre. Utilise okay. La magie. Ah, quand faut y aller. Ah, je peux pas utiliser encore. Ouh, j'ai pris cher là. Je t'ai dit d'utiliser la magie. Je me demandais si c'était vrai. Te pose pas de questions. Fais-le. Ah c'est bon, je peux utiliser la magie. Allez, la foudre. Tac. Ouais, faire pareil avec Cloud. Ça a l'air de bien marcher. Continue comme ça. Bon, le feu, ça fait pas terrible. Hein. Ah, il est en mode fragilité, c'est parti. Allez. Toujours pas utilisé. Oula, il va faire un truc. Ah, bla 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 bla. Allez, allez. Je vais essayer là de brave sur lui. Alors, voyons. C'est efficace. C'est quoi ce truc là? Une barrière? Je n'ai jamais vu ce système de défense. Je croyais que t'étais un expert. Et toi? Je croyais que t'avais pas besoin de moi. Ah! On va utiliser la foudre. Hein. Ça marche pas non plus. Ah, décidément. Ça passe pas. Impossible d'y aller de front. Ok, je vais reprendre Barrette du coup.
lui montrer ce que je sais faire. T'approches pas trop si tu tiens ta peau. Choc combustible. On va essayer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces ennemis ils attaquent un para pour capturer vos adversaires. What? Lâche-moi, gros tas! Ah, faut que je reprenne le perde alors. Laisse-moi planter là et aide-moi, bordel! Nick l'état, hein, santé. Blablabla. Ah oui, putain, il est presque mort. Ah, d'accord, je peux attaquer le générateur. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Pas la peine de hurler. Mais ouais, mais c'est clair. Puis tout à l'heure, il hurle. Mais... Une potion pour Barrette. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là, qu'est-ce que je prends? C'est là, faut l'attaquer par derrière. Bien vu, monsieur le soldat. Tu sais quoi faire. Je vais reprendre Barrette. Trompe un peu de bouton, je suis désolé. Il faut faire preuve. Ah, la transcendance. Bon, c'est un peu les limites, quoi, alors. Transcendance, taillade croisée. Okay. Oui, c'est les limites. Okay. Brah, allez. Je me protège pas assez. Oh là 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 là. Tac, on va réutiliser la foudre. Je vais reprendre Barrette. Il a décidé de nous faire chier. Ils sont pas vulgaires. Allons. On reprend Cloud. Allez. Oh là là. Oh, c'est fou. Attention à sa queue, il s'apprête à tirer un laser. Hein? Et on fait quoi maintenant? On évite on se flanque. On se cache derrière les débris. J'en profite pour me soigner. Ok, allez, c'est reparti. C'est l'occasion de contre-attaquer, on y va. Ah, là. Allez, bah, utilise la foudre. Hop. Il suffit de bien analyser.
pas arriver. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'un modèle de combat fait dans un réacteur? Le laser! Fais attention! Ça va, j'ai compris! Alors dépêche-toi de te mettre à l'abri! Ah ça va, c'est assez simple. Allez, pour le... Profitons-en! Ah, évite-le! Ah non, décidément. C'est pas évident d'éviter cette attaque. Alors retourne-toi, Cloud, merci. Il suffit de bien analyser ces attaques. Oui, je sais. Ah, j'ai plus de magie. Il recommence. Vite, il y en a ras-le-bol de se planquer. Prends-le en pleine face, bon. Si tu préfères. Ouais, c'est clair. Allez, c'est reparti. Allez, profitons-en. Ok, il est en état de choc. Et tu peux faire la transcendance. Allez, c'est reparti. Allez. Qu'est-ce qu'un modèle de combat fait dans un réacteur? Tu l'as déjà dit ça, Cloud. Ah zut, vas-y. Oh là là là. Il faut frapper fort pour se faire plus mal. Guettons le bon moment. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Je peux utiliser les compétences. Ok, je l'ai évité, c'est bon. Allez, et voilà, c'est terminé. Oh putain, j'en ai chié, hein. Bouh. Oh là 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 là, cette musique. Ah, prends-en de la graine, ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Allez. Ok.
pas oublié de sprinter, c'est cool. Ouais, t'inquiète. C'est par ici. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre Barrett. La sortie est par là. Dépêche-toi. Attends, j'ai pris les caisses avant. Je prends le temps. Bah j'ouvre le coffre. T'as de détendre. Allez, mange-toi. Tu gaspilles ton souffle. Mais non, si je pars pas, ça me stresse. Fais comme tu veux. Allez, barrette là-bas. Ça va, j'ai mis une demi-heure, mais j'avais clairement le temps en 20 minutes, je pense. Ah, mais il y a deux ennemis. Tu pars devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Et vous ? T'as aucun souci à te faire. J'ai un super soldat avec moi. Le temps s'est arrêté. Le chrono. Ancien super soldat. Et voilà ! Faut les arrêter ! Vous n'allez pas nous emmerder ! Ça va bientôt péter! T'inquiète pas, ça prendra 5 secondes. Ah vas-y, décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, c'est bon, j'ai rien dit, t'as gagné. Ah non, il y en avait un autre! Dépêche-toi, faut vite rejoindre les autres. Oui, allez. Ah bah oui, forcément. Ah, il a plus de magie, évidemment. Ok, je lui... Ah mais je peux même pas lui faire prendre un objet. Pardon. Terminé. Oui, tu l'as déjà dit ça. Allez. On n'a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même.
déjà dit ça par contre, ça va être casse-couille. Allez. Voilà. Oh, je l'ai raté. Caméra. Bah décidément, il y en a plusieurs maintenant. Je peux plus utiliser la compétence. Ah oui, les vigi laser en plus. Allez, barrette. La caméra, elle est pas ouf quand même. Hein. Efficace. Bien joué. On n'a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même. Oh, c'est en train de me saouler quand il dit ça là. Ah bah, c'est passé vite le temps. Une clave qui reste calme. Si c'est pas beau ça. Zut. Oh là là, cette mise en scène. Lève-toi. Ça va aller. Allez. J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. N'importe quoi. C'est vachement le moment. Criant de vérité. Facile. Oh là là. Oh. Mais que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Ce jeu est magnifique.
a rien d'autre à dire. Ah, la démo est finie. Ah, cette musique. Il a encore la fleur sur ses vêtements. Oh là 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 là. Eh ben j'ai hâte qu'il sorte. Hein. Vivement le 10 avril les gars. Bon moi je m'en fous, il est préco depuis déjà au moins 2 mois. Grâce à tous d'ailleurs. Acheter maintenant. Non c'est bon, j'aurai l'édition de luxe mais en édition physique donc c'est cool. Voilà, donc démo terminée. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte de cette démo de Final Fantasy VII Remake vous aura plu du coup. Je sais, j'ai pas beaucoup parlé parce que bon bah je découvre en même temps que vous. Mais en tout cas, j'espère que bon bah ça vous donnera une petite idée de ce que peut valoir ce remake. Manette en main, c'est génial. Même si j'ai un peu galéré, c'est vrai que faut une petite adaptation quand même, mais bon. N'hésitez pas, franchement je pense que ce jeu va tout détruire. Et donc voilà. Bon bah je vous laisse là, c'était Titi. Et puis bah je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez un petit let's play de quand le jeu sortira. Parce que moi je vais le défoncer ce putain de jeu. Donc voilà. Allez, bah je vous laisse là, des gros bisous barbus, et puis bah à bientôt sur la chaîne.